Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Sakhar alaykoum. Azul Fidawan, Rahbi Iskoun. Voilà, c'est la 8e fois qu'on se retrouve. Vers la fin du mois de mars, pour cet événement qui est devenu une tradition maintenant à Montréal et en particulier dans la communauté algérienne. C'est l'événement Edgewood, durant lequel on célèbre la mémoire de nos compatriotes, de nos amis, de nos frères, de nos camarades qui sont morts, assassinés par l'intégrisme armé. Cette année, on a été un peu plus audacieux, plus loin. On a fait venir un dramaturge professionnel d'Algérie. Je vais vous en parler parce que il mérite, mais rapidement. Omar Fatmouche. هم وعلاش مجبودة وقف الأمير قطع لحمها من جسمه وحتم عليها كلاتها تغلفت العروس من ما بلعت اللحمة ضاقت وجهها البزاق ولحت كل ما كان في فمها طاحت وارتاحت وثم اللي طلقت شعرها يا بلادي واش دي المحنة واش الريح اللي هزنا الناس تبكي من الغبينة عجب علينا الطوفان ما عرفنا واش اللي بينا نفسد روح الإيمان هزو السيوفة والخناجة ذبحوا الشيوخة والمساغر قتلوا الصبيان وبشاير خطفوا بلاد الحرين اغتصبوا زين الحراير زولوا يخافوا ياسمين Tu jetteras à la mer ces fragments de vie au gré des vagues, contre le choc des rochers pour que se brisent les syllabes, que cette phase de mon existence disparaisse à jamais. Et si quelque part ma mer audacieuse venait à rassembler ces fragments dans un cyclone en furie, alors qu'ils s'abattent sur mon village, la cité des intolérances, pour anéantir l'infamie des miens. Le mal est fait. Ils viendront chercher leur enfant. Ils brûleront le village. Saccageront la grande cité. Ils reviendront au prochain sacrifice de l'Aïn. Des femmes, des bébés, ce n'est pas une fatalité.
Encore pleurer? Encore enterrer dans les mêmes tombes. Pleurer avec des yeux asséchés. Marcher avec des pieds fatigués dans les processions funèbres. Elle doit repartir! Elle aurait dû rester chez eux, là-haut au maquis! Ce n'est pas une fatalité. Elle porte le mal. Notre mal. La malédiction s'est abattue sur la cité millénaire. Il fallait faire des offrandes. Au tombeau ancestral, elle a enfreint les lois du village. Sacrilège. Elle a choisi son sort. Génuflexion de la prière d'Abraham. Moi, j'irai apprivoiser la montagne. Montez les plus hauts sommets de la cité pour rejoindre le sanctuaire, me réfugier dans vos regards et me libérer du mal qui broie mes entrailles et vous voir à la dernière prière, engloutir vos excréments dans ce burnous sans vous laver. Jasmine! Les élus de la cité se dévêtirent. Les citoyens ont pris l'habitude de baisser la tête pour se faire raser et se soumettre à la cérémonie du contrôle de la trace du tatouage. Partout dans la cité, le peuple a appris à baisser la tête devant les entrées des édifices publics. On baissa la tête. À l'entrée des mosquées. On baissa la tête. Dans le bus, dans les trains. On baissa la tête. Dans les écoles, les universités, les lycées. On baissa la tête. Les usines et les ministères. On baissa la tête. Et l'on perdit la clarté du ciel, les lumières des étoiles, la splendeur verdoyante des arbres, courbés à scruter le sol. Inflexion permanente. L'on apprit à marcher tête en bas, réminiscence des enfances. Retour au premier souffle. Bébé en siège, tête en bas. Retour aux habitudes des pelotons de la mort. Procession d'esclaves et d'opprimés sur les chantiers de pierre. Du haut des remparts du tambour ancestral, Jasmine défait ses tresses en couleur de henné. Elle tressa la partie gauche et abandonna l'autre partie au gré des lumières. Après 3 jours de la campagne nationale de la coiffe patriotique,
on n'arriva pas à trouver la morsure qui était sur la tête de la personne qui a été blessée par le fauteuil. Ma mère est un ange aux ailes de Dieu.